Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve pour ce 26e épisode de Stardew Valley. Donc, c'est le premier jour de l'automne. Wouah! Oh les amis, ça fait bizarre. Wouah! La terre et tout là. Ouf! Ah les amis, là, c'est très étrange, hein. Bon, du coup, je ne sais pas comment ça va se passer pour cette saison, on va pas se mentir. J'en ai aucune fucking idée, mais bon, écoutez, on va essayer de faire avec, hein. Et de s'en sortir. Donc, notre première année hein, sur Stardew Valley, donc automatiquement, il y a plein de choses que je ne sais point, les amis. Alors, tac, donc, hop, un petit coup de ou. Ah, j'ai pas de hache. La hache, s'il vous plaît, la hache des familles. Merci, monsieur. Et on a eu notre épée, donc je pense qu'on va essayer de retourner un peu dans la mine aujourd'hui. Ah, il y a Robin. Mais il est où, Batman? Non, je rigole. Je sors. Hello, tu sors. Du coup, au niveau des quêtes, ça n'a pas changé. On est lundi, donc la bonne nouvelle, on va pouvoir aller donner un cadeau à Marnie, les amis. Donc, je suis satisfaite. Donc, ça, on met là-dedans. L'arrosoir automatique, je le mets là-dedans pour l'instant. Et il va falloir qu'on aille voir si on peut acheter des plantations particulières pour ce mois, quoi. Enfin, cette saison, du moins, pardon. Donc, il y a notre petit chien, tout va bien. On va y voir nos petits poulets, on va aller leur donner à manger. Parce que sinon, elles vont mourir. Non, je rigole. No panique, les amis. Je ne sais même pas si c'est possible, en vrai. What? Les amis? What? D'accord, ok. Bon, écoutez, j'ai tout mis dedans, je ne sais point pourquoi ça fait ça. D'habitude, quand je fais ça remplit et là, ça vide. Tout va bien. Bon, du coup, allons voir Marnie, pardon. J'en perds mon esprit, là. Présentement, je perds l'esprit, mais ça va aller. Alors, oh, ça fait très bizarre cette saison, les amis. Oh mon Dieu! Je veux bien que l'herbe n'est plus totalement verte, mais elle est quand même verte, quoi. Elle est pas de cette couleur, bordel, pendant l'automne. Les herbes, oui. Ah, ça ouvre un nouvel herbe. Attendez, on va se balader un petit peu, tranquillou bilou, les amis, et puis ça va le faire. Alors. Bon, allez, hop. Hé, y a un champignon. Yes, on peut aller à la cueillette des champignons. Oh, les amis, c'est de toute beauté. Oh, je kiffe. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir nos champignons, sûrement. Pour la quête des Géminos. Ah, oh, c'est magnifique, les amis. Ah, j'adore ce changement de saison. Bon, désolé, hein, je suis en pleine contemplation, là. Waouh. Je sais pas vous. Oh, les petits oiseaux et tout, c'est cute. Oh. Oui, je sais, je suis en émotion devant le jeu, là. Bon, il est 9h50. Non, mais sérieux, on s'est baladé 5 secondes, il est déjà 9h50. Bah, elle est où Marnie? Marnie! Bonjour! Marnie, où t'es? Bon. Bonsoir, bonsoir. Où est Marnie? Bon. On reviendra plus tard. Écoutez, on va passer chez Pierrot. Chercher de quoi planter. Avoir des nouvelles plantations. Je ne sais point où est Marnie. Écoutez. Marnie, t'es où? Ramène tes fesses sur le champ. Je balaye. On blague, les amis. Elle fait ce qu'elle veut de sa life, hein, on va pas se mentir. Est-ce qu'on peut les ramasser, les champignons, là? Non. Salut, Pierrot! Ah, mais il y a Marnie! Attendez, avant, je vais vérifier que ce soit bien Marnie, mais normalement, oui. Ah, j'aime les animaux, Madame Mello. Traitez avec douceur et nous deviendrons amis, j'en suis sûre. Merci. Ok, juste merci. Au revoir. Bon, tac, 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 tac. Marnie, elle est où? Marnie, 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 Marnie. Les amis, je ne vois plus clair. Ah mince, ah Marnie. Donc, on n'a toujours pas de deuxième cœur. La tristesse. Alors, graines de citrouille. Attendez, en combien de jours? 13 jours. 14. Ah, le maïs, ok, c'est pour ça que j'ai encore des trucs. Bon, écoutez, je vais en prendre une vingtaine. Aubergine en 5 jours. On va perdre beaucoup d'argent, les amis, mais vous inquiétez pas.
De l'igname en 10 jours, le fenouil en 4 jours. Bon, on a plus assez de fric. Écoutez, c'est pas grave. Donc, du blé, je peux encore en planter. Ok. Bon, écoutez, on viendra reprendre des choses. Sucre. Non. Ok, donc on reviendra chercher des choses, les amis, plus tard. On va déjà aller planter tout ça, vous savez. Et bon, bah, Marnie, du coup, bah, tant pis, on n'a pas de cœur. Le deuxième cœur. Mais c'est comme ça. Ainsi va la life. Du coup, on va quand même descendre. Voir comment c'est au niveau de la plage, quand même. Avec ce changement de saison. Et il faut qu'on se balade pour essayer de trouver d'autres champignons. Pour le coup. Parce que j'aimerais vraiment trouver les champignons. Alors, comment est la plage? Bah, elle est toujours pareille, quasi. À part les buissons sur les côtés, mais sinon, elle-même, la plage reste quasiment à l'identique de ce qu'elle est d'habitude. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a des choses à ramasser? Hop. Oh, ce jeu, vraiment, je l'adore. On est qu'à la première année et je crois qu'il est sur 3 années, je crois, le jeu. Donc, ça va durer un moment, les amis. Hein. Mais, enfin, je trouve ça agréable. Alors, hop. C'est parti. Bon, on a eu que 2 trucs à la plage, mais écoutez, c'est comme ça. J'adore, il y a des champignons partout, du coup. L'automne ne se résume pas qu'aux champignons, quoi, bordel. Pardon, je m'énerve un petit peu. Je suis un peu trop enthousiaste, on va dire. Tac, 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 tac. Alors, est-ce qu'il y a d'autres trucs? Je veux des champignons, s'il vous plaît. Des petits champipi. Oh, ah, arrête, une mûre. Ah, bah, je crois qu'il en faut une pour le... pour le Hello, tu perds la tête, tu perds les mots. Pour la quête du Géminos. Tac, 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 tac. Ah bah, ils sont étoilés tous les deux. Non, mais décidément, vous pouvez pas m'en donner un qui n'est pas étoilé, quoi. Bonsoir, bonsoir. Y'a pas d'autres champignons? Mais n'ayez pas peur, je vais rien vous faire, les petits oiseaux. Bah, écoutez, on va rentrer dans le truc des Géminos. Non. Non, monsieur. Champignons. Où est-ce qu'il faut que je mette des champignons, s'il vous plaît? Hop, 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 hop. Ah, voilà, c'est bien ce que je me disais. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de citrouilles. J'en ai pris 30, j'aurais peut-être pas dû en prendre autant. C'est pas grave. Donc, le melon, par contre, on va être un petit peu en kikiné, va-t-on dire. Tac, c'est pas ici. C'est pas ici. C'est pas ici. Et c'est pas ici. Alors, c'est parti. Pourquoi j'allais... Ah, ça y est, j'arrive à avancer. Ça y est, ça y est, ça y est. Don't panic, hello. Ça va le faire. Hop. Et pas tout ça. Là, il faudrait que je ramène ça. Ah ouais, donc c'est champignon rouge et le violet et une morille. Une morille qu'il faut. Ah. Eh ben, tenez. Hop. Une noisette et une mûre. Ah si, c'est que mes murs sont étoilés. Ah, oh, ça marche quand même. Ok, donc il nous manque la noisette pour avoir fini cette quête. Ok, moi bien, c'est les gens. Alors, s'il te plaît, avance, merci. Bonjour, au revoir. Alors, on y va, c'est parti, on va à la ferme. On va aller planter tout ça. On va remettre nos champs en marche, va-t-on dire. Et normalement, c'est l'automne, il devrait flotter plus, hein, les gens. Hein. Alors là, franchement, si on en panade tout le temps au niveau de l'énergie, je serais pas contente. Bon, par contre, on n'a plus d'argent. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais voilà, il faut bien. Il faut bien, les amis, pour pouvoir planter et avoir d'autres trucs. Donc voilà, c'est investir pour pouvoir rentabiliser derrière. Donc c'est important. Hop. Il n'y a rien par ici, non? Il n'y a pas d'autres champignons qui traînent? Sait-on jamais? Hop. Elle est toujours en train de travailler, ma petite Robin. Tac, 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 tac. Donc, on prend ça. On prend l'arroseur automatique. Que l'on va mettre ici. Alors, c'est parti. Donc. Hop. Ah, je trouve vraiment ça galère la houe. Parce que vraiment, il faut être un bloc en arrière. Hop. Alors, je sais pas ce qu'on va mettre.
Ah, mais flûte, mais c'est pas vrai. Là, je vais mettre du coup le maïs. C'est sûr. Parce qu'il y a déjà du maïs là à côté. Donc, si j'avais su qu'à la prochaine saison, il y allait avoir du maïs, j'en aurais mis beaucoup plus. La première fois, on va pas se mentir. Mais écoutez, c'est comme ça. Hop, hop. Allez, allez, coco. Hop. Eh, je le sais, les amis, qu'il faut que je recule d'un. Mais il n'y a rien à faire. Hein. Mon fucking cerveau ne veut pas. Hein. C'est. Ah, mais non, mais. Mais. Je vous jure, j'en peux plus de cet épisode. Mais. Alors, je suis jamais assez près. Je suis trop loin. Je suis trop près. Eh, c'est bon, quoi, au bout d'un moment, là. Faut arrêter les conneries. Tac. Alors, le maïs, c'est parti. Je sais pas. Ma souris était buggée, les amis. Je n'ai pas compris tout. Alors, il m'en manquerait deux pour pouvoir faire la ligne complète. Ok. Bah, écoutez, on va mettre le fenouil à côté. Hop, hop. Et il nous manque une graine. Ok, moi bien. On va mettre les aubergines à côté. Et on va se faire un champ exprès pour les citrouilles ensuite. Bah, vous savez quoi, hein? Ça va être un petit peu mélangé, mais écoute. Hein. Hop. Du coup, ouais, il faut qu'on refasse un champ ici, du coup, pour pouvoir planter nos citrouilles. Je crois qu'on s'en sort mieux quand on fait comme ça, en vrai. Hop. En fait, non. En fait, pas du tout. Bon. Il y en a marre. Il y en a marre. Quand il y en a marre, il y a mal à marre. Non, mais j'arrête. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête, les amis. Mais en vrai, je suis tout le temps en train de blaguer et tout. Mais je sais pas. J'ai envie, quoi. Quand je vois ça, c'est. Il y a que des bêtises qui me viennent en tête quand je fais ce genre de truc. Écoutez, c'est la vie, hein. Tac, alors, nos petites citrouilles. Il est déjà 18h40! Non, mais c'est quoi cette blague, sérieux? Les gens, vous avez vu la journée passée dans ce fucking jeu, là? Ah, pardon, j'ai cliqué sur lui. C'est bien, t'as effrayé des corbeaux, écoute. T'as fait ton taf. Qu'est-ce que je te dise? Bon, les amis, c'est parti, j'arrose, je vous reprends après. Alors, les amis, je viens de terminer et ma barre d'énergie est vraiment ric-rac. Donc, écoutez, c'est parti, on va aller dormir. Donc, voilà, première petite journée de fête. Donc, c'est plutôt bien. Du coup, il faut que j'arrive à tout simplement avoir notre deuxième cœur avec Marnie. Wow, la maison est déjà finie? What? On a déjà notre cuisine? Bulletin météo, s'il te plaît. Ah non, non, ok. Bulletin météo de demain. Temps clair et ensoleillé toute la journée. Ok, donc on va être un petit peu dans la panade. Œuf sur le plat, donc il me faut un œuf. Et là, c'est pour l'instant, il faut qu'on découvre nos recettes. Mais là, il me faudrait un œuf. Ce qui est dommage, c'est que j'en ai pas d'œuf pour le moment. Ah, et là, on peut mettre la nourriture et tout. Donc, ouais, il nous propose que ça pour l'instant. Ok. Donc, ouais, il va falloir qu'on attende que nos poulets grandissent. Ah, oh, c'est trop bien, regardez. On a un grand lit maintenant. Ça y est, on est grand, les amis. On a un grand lit. J'arrête mes conneries, moi. Bon. Quand est-ce qu'ils vont grandir, mes poulets? Et me donner tout simplement ce que j'ai besoin. Bon, faut que j'arrête de parler comme une abrutie quand même, des fois. Mais ils sont toujours pas grandis, eux, hein. Ils sont toujours petits. On a toujours pas d'œufs, rien, quoi. Il faut quoi pour qu'ils grandissent, nos petits poulets? C'est eux qui vont me donner des œufs. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans notre grotte? Ouais, il y a pas mal de trucs. Nice. Oh, c'est bien ça, les amis. Oh, je suis contente. Une bonne petite récolte. Salut, mon petit chien. Tiens, on va aller lui mettre de l'eau, même si c'est pas essentiel, les amis. Hop, c'est parti. Donc, du coup. Ah ouais, elle est plus belle, notre maison, là. Tac, donc. Non, c'est pas dans celui-là, c'est dans celui-là. Je me foire tout le temps, mais c'est un truc de malade. Du coup, la cerise, je sais qu'il m'en faut une, du coup, pour ma quête des Juminos. Donc, il faut que j'en garde une.
Le radis, je crois pas qu'il en faille. La pêche, ça me dit rien. Et tout, la mûre, j'en ai déjà mis une. La fibre, je la range. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut mettre à vendre. Donc le radis, je vais pouvoir le vendre également. Donc hop, on va les mettre à vendre tout ce qu'on peut vendre. Bon, ça va commencer à nous refaire de l'argent. Hop. Parce que le jour d'avant, j'ai complètement zappé avec l'arrosage. Hop. Non, pas comme ça. Hop. Hop. Et voilà les amis. Alors les amis, on va retourner voir Marnie. Donc c'est le deuxième jour de la semaine. On va déjà lui refaire un cadeau, mais écoutez, c'est comme ça. Parce que le problème avec, en fait, c'est que ça nous rapporte 45... plus 45 en amitié avec Marnie, en fait, un quartz. Vous voyez. Et plus 85 si on lui offre un truc qu'elle aime beaucoup plus, genre les tartes à la citrouille, etc. Mais on n'a pas de quoi le faire pour l'instant. Donc j'espère qu'on va bientôt avoir les œufs, que les poulets vont bientôt grandir. Enfin les poules, histoire d'avoir des œufs et de pouvoir tout simplement s'alimenter comme il faut. Donc c'est parti, c'est fermé. Ah bah oui, je vais me faire avoir à chaque fois. On va regarder s'il n'y a pas d'autres champignons tant qu'à faire. Vu qu'il nous en faut pour la quête des Géminos. Allô? Il y a des champignons. Il y a le même qu'on a eu le jour d'avant. Bon, écoutez. On va le prendre, on le mettra à vendre, écoutez. C'est pas plus mal. Hop. Donc, il est 9h20, donc c'est parti, on retourne chez Marnie. Pour le moment, on voit pas d'autres champignons, donc ça finira par venir, je pense. Mais pour le moment, voilà, il faut faire avec. Non, hello. Par là. On va peut-être essayer d'aller à la mine, histoire de descendre encore de 5. Vous n'êtes pas assez... Mais elle est dans sa chambre, punaise. Mais sors de là, toi. Ah bah, écoutez, c'est parti, on va à la mine. Tant pis, on verra Marnie une autre fois. Ouais, à la mine sans bouffer l'eau. Ouais, non, c'est pas le bon plan. C'est pas du tout le bon plan. Ah, lave-la, Marnie. Viens là. Mon neveu Shen vit chez moi depuis quelques mois. Il m'aide avec les poulets, alors je ne me plains pas. Merci. De rien, Marnie. Est-ce que ça a changé notre amitié? Non, on est toujours à un cœur. Mais c'est pas vrai. Donnez-moi plus de cœur avec Marnie. Bonsoir. Bon, on va repasser par chez nous avant d'aller à la mine. C'est une feuille du coup qui est implantée dans le sol. J'ai l'impression. Hop, hop. On prend ça. Et ça, je vais le garder. Non, mais je vais ouvrir le coffre. Bon sang. Non, le champignon, on va le vendre. Il est déjà 11h. Bon, c'est parti. Allez, on va à la mine. On va tenter. Écoutez, j'aimerais bien descendre de 5 niveaux encore. La dernière fois, on a réussi à descendre de 10 niveaux. Donc, c'était juste top. J'ai envie de voir la nouvelle épée, ce qu'elle donne, en vrai. Mais changement de saison dans cet épisode, écoutez. C'est plutôt magnifique, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez, quand même. Ça serait cool. Mais moi, je trouve ça bien. Tac, tac. Carpentreau. Ah, non. Je pêche pas, donc c'est pas la peine. Hop, allez, c'est parti. Donc, on a toujours pas de deuxième cœur avec Marnie. Ça m'embête. Est-ce qu'il faudrait que je lui donne autre chose, du coup, pour que... Parce que je lui ai donné quand même 4 quartz, je crois. Et ça a rien changé pour le moment. Ah, yes, c'est des champignons. Ah, on peut pas les ramasser ceux-là apparemment. Flûte. Oh, la saison vient de commencer, hein, les amis. Donc on finira par avoir ce qu'il faut. Hop, allez, c'est parti. On va essayer de descendre de plusieurs niveaux. Pourquoi j'ai quand l'épée rouillée et de... Oh, j'ai pas pris la bonne épée. Ah, flûte. Bon, écoutez, c'est pas grave. Hop. Alors, ouais, elle est toute petite, donc il faut qu'on trouve... Allez, meurs, le petit slime. Quand j'arrive à les coincer, ça va, hein, en vrai.
Mais il faut réussir à les coincer pour pas qu'ils puissent bouger et hop, on s'écarapate en 2-2. Yes! Allez, le 22. C'est parti, les amis. Si je tape deux cailloux en même temps, on va pas aller loin. Nice, du charbon. Ouais, c'est trop beau pour être vrai. Qui est l'entrée juste là. Et les amis, je suis repassée à la maison pour prendre à manger. J'ai oublié. Ah, topaze. Ça me dit rien dans les quêtes. Oh, une géode. Omni-géode. What? Ouh, on a des trucs qu'on n'a jamais eu, les amis, là. Ouh là là. What? Yes! Ah, oh, punaise. Allez! Allez! Meurs! Allez! Allez! J'en ai marre de ces trucs. Est-ce que je vais avoir de la chance de trouver l'échelle? Allez, s'il vous plaît, j'aimerais... descendre de 5. Ce serait cool. Bon. Oh là là. Notre vie descend en 2-2 avec ces mobs. Pourquoi j'ai prep? Je me suis foiré que j'ai pas l'autre épée. Bon sang. Allez. Encore un, mais c'est pas vrai, j'ai perdu toute mon énergie et tout à cause de ces bestiaux. Allez! J'adore, on dirait qu'on fait du ping-pong là. Ouais, j'ai de sacrées références. Bon, écoutez, ça m'embête, mais on n'a pas beaucoup de vie, on n'a plus beaucoup d'énergie. Il est déjà 17h, on a nos champs arrosés. Hop. Ouais, les amis, on remonte. Sortir de la mine. Parce que clairement, on n'a plus beaucoup de vie et tout. Ça pue le roussi. Bon, écoutez, on voit clairement que la difficulté n'est pas la même dans les mines. Avec cette épée-là, ça va être impossible. Bon, on va rentrer à la maison. On va aller arroser nos champs, histoire de... voilà, que nos plantations puissent bien pousser et tout. Et on verra. Donc, on va se contenter de ça pour l'instant. Mais ouais, alors, on y retournera dans la mine. C'est pas un problème. Avec la bonne épée. Et j'espère que clairement ça va le faire. Alors, on devrait bientôt avoir ce qu'il faut au niveau slime. Je crois qu'on en est à 70 à peu près. Oh, pardon Robin. Désolée madame. Hop. Allez, c'est parti. En tout cas, je suis ravie de voir qu'on a notre maison déjà. C'est très très bien. Mais tout ça, il faut que je l'amène à Gunter du coup. Ok, donc il faudra qu'on aille voir Gunter pour déposer tout ça. Et voir si ça peut nous rapporter quelque chose. Il n'y a pas d'autres champignons ici. Oups. Hello, regarde où tu vas. Hop, allez, c'est parti. Donc, ouais, il est déjà 19h, le temps d'arroser tout ça. Ah, une algue blanche. Ouais, donc il faut que je l'amène au forgeron aussi, celle-là. Ok. Donc, on ira voir Gunter et on ira voir Clint, du coup. Ah, on est quasi 70, ouais. Bah, écoutez, il va falloir qu'on... se restaure de l'énergie. Hop. Donc on va prendre ça. Et...
Je pense qu'il va nous falloir pas mal d'énergie, les amis. Je vais en manger 40 pour l'instant de casse-croûte, mais j'en ai un au cas où. Donc, je fais une petite ellipse, le temps de tout arroser, les amis. Les amis, on se retrouve, regardez, on voit un corbeau, je sais pas trop quoi qui vole, c'est un truc de malade. Donc, j'ai fini de tout arroser, j'ai pas repris un casse-croûte, donc c'est plutôt cool, comme ça, il nous en restera un peu. Donc, c'est parti, on va dormir, et bah, ce jour va être terminé, tout simplement. Donc, j'attends avec impatience que nos petits poulets grandissent, histoire qu'on puisse faire nos recettes. Oui, alors, voilà, les amis, on va voir combien on a gagné, là. Hop. Bon, on n'a pas gagné grand chose. Bon, écoutez, c'est toujours ça de prix. Ça mange pas de pain. Et on va certainement se racheter du blé au prochain épisode. Donc, je vous laisse là pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine pour le suivant. En attendant, portez-vous bien, les amis. Je vous dis bonne nuit à tous. Enfin, je blaguais, bien sûr. À la prochaine, tout le monde. Allez, bye bye.